Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc nous avons dès ce matin une confirmation de la poursuite du mouvement haussier puisque dès l'ouverture eh bien, nous avons un nouveau plus haut significatif puisqu'actuellement eh bien, le CAC 40 marque un plus haut à 5521.68. Donc c'est ce qui valide je dirais la poursuite de ce mouvement haussier en direction des 5532 points. Du point de vue des indicateurs techniques, ça reste neutre ici sur le MACD dont les histogrammes oscillent autour de la zone d'équilibre. Le RSI, quant à lui, se stabilise juste sous sa zone de surachat. Alors, dans cette configuration, nous avons effectivement un mouvement qui, du point de vue des bougies ici, eh bien, valide de nouveau plus haut significatif, mais tout cela se fait sans grande dynamique, avec une volatilité ici très faible et la zone ici majeure eh bien, des 5532 points commence à faire son effet puisque nous avons depuis ici le franchissement des 5486 points eh bien, très peu de volatilité ici pour valider ou pour alimenter la poursuite de cette dynamique. Alors ça on retrouve l'explication sur une vue un peu moyen long terme que je vous propose de retrouver ce soir. Mais en ce qui concerne la dynamique court terme, on est toujours dans un flux haussier avec des cours qui, après des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure, continuent à évoluer ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on peut s'attendre ici à un fort ralentissement sur la zone des 5532 points. Si cette zone venait à être cassée, nous avons une prochaine zone majeure qui correspond au précédent point haut significatif de l'année dernière que nous pouvons vérifier ici en unité de temps daily qui correspond ici à la zone des 5651 points. On est ici sur une évolution cash, donc on est déjà sur des nouveaux plus hauts significatifs sur le GR. Puisque si l'on affiche ici le CAC 40 Global Return, hein, GR pour Global Return, eh bien nous avons ici une zone de point haut qui est à moins de 100 points ici de la zone de point haut du mois de mai 2018. Donc on est vraiment sur un tutoiement ici des plus hauts significatifs qui correspondent donc à la zone majeure que nous retrouvons donc sur le CAC, ici sur cette zone des 5532 points. On arrive en termes de valeur quasiment sur la même zone. Donc là, cette zone ici est 5532 devrait provoquer ici de quelques réactions. En cas de rupture, je vous rappelle que nous avons un objectif lié à une extension de Fibonacci qui se situe à 5585 points. C'est tout simplement l'extension ici de la précédente phase de consolidation. Et si cette zone était atteinte, eh bien nous aurions donc un objectif de retour sur la zone des 5651 points. Donc pour aujourd'hui, on surveillera éventuellement un contact sur la zone des 5532. Si prochainement les cours venaient à repasser dans une dynamique baissière, eh bien c'est une éventuelle cassure ici des 5486 points eh bien qui pourrait donner un signal de consolidation relativement puissant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, il faudra attendre 10h30 du côté de la Grande-Bretagne pour avoir les chiffres de l'emploi, pour éventuellement avoir un petit peu de volatilité sur les marchés et notamment les pertes de devises qui comportent la livre sterling comme composante. Nous aurons à 11h le sentiment économique de l'Allemagne et de la zone euro, donc l'indice ZOO, qui seront dévoilés. Voilà donc pour cette séance, passez de bons trades, on se retrouve à partir de 17h pour la suite de la formation trading algorithmique. Bonne séance à tous.